suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du raideur digeste. Et dans ce bouquin, y'a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de ce métier. Moi, je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, et encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, et toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, et encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, et toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas. Pour un valide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète. J'ai dans la tête un carnaval de confettis. J'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume, au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour me sortir de ce trou où je fais des trous. Des petits trous, des petits trous, mais toujours des petits trous. J'ai le bateau se taille et je vois que je déraille. Alors je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, des petits trous, et toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour un valide changé à opéra. Mais j'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrais m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, et encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, et toujours des petits trous. Voyez, le bateau se taille, et je vois que je déraille. Je fais des trous, des petits trous, et encore des petits trous. Et on me mettra dans un grand trou, et j'entendrai plus parler de trous. Plus jamais de trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous. Bonsoir, bonsoir à vous tous. On va avoir la chance d'être accompagné par ces merveilleux artistes pendant toute la présentation de cette saison. C'est merveilleux, c'est chouette de voir la salle des Franciscains remplie d'amis fidèles. Et je crois qu'on ne peut pas commencer cette présentation de saison sans vous dire merci. L'année dernière, j'avais commencé avec Ella la présentation avec un proverbe africain parce que j'aime leur humour et leur simplicité. Et je disais, un homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures. On a beaucoup rayé cette saison. On y est allé et on est... Regardez. Toute l'équipe porte tous les projets qu'on a essayé de vous proposer tout au long de l'année. Ce soir, je voudrais dire un autre proverbe africain qui dit « Au bout de la patience, il y a le ciel ». Parce qu'il nous a fallu, et il vous a fallu, beaucoup de patience, de courage pour nous suivre dans tous les lieux qu'on est allé visiter, qu'on a essayé d'incarner,
pour arriver enfin dans la salle des Franciscains. On a ouvert en 2 mois 2 salles. C'était incroyable. Et au théâtre, on cherche toujours à ce que ce qui se passe sur le plateau ce soit vrai. Ça a l'air vrai, ce soit encore plus vrai que la vie. Mais dans nos vies, si on y pense, on cherche toujours à se faire un peu de théâtre. Et donc, on a bien raison d'être ensemble. On a bien besoin les uns des autres. Ça a été une saison incroyable, extraordinaire. Ouvrir 2 salles et 1/3 salle en janvier, ça n'arrive jamais, en tout cas, dans la vie d'un directeur de théâtre, d'une directrice de théâtre, d'une troupe. Et ça, c'est fantastique. Mais il faut, et vous pouvez l'imaginer, et vous l'avez vécu avec nous, beaucoup de ténacité, de courage, parce que déménager, tant qu'on est au milieu du quai, c'est compliqué. Donc je voudrais commencer par remercier toute l'équipe du TNN, qui est extraordinaire, vraiment. Je vous remercie du fond du cœur, et je crois qu'on peut les applaudir. Et avant de passer la parole à ma merveilleuse Ella Perrier, je vous annonce officiellement qu'elle est maintenant directrice adjointe. Comme ça, j'ai beaucoup moins à faire parce que quand même, tout repose sur ses épaules. Merci. Merci. Merci Muriel. Merci. Elle le mérite absolument. Toute l'équipe vraiment mérite vos applaudissements. Non, je ne jetez pas trop. Oui, moi je remercie et on vous remercie vraiment le public d'avoir été à nos côtés parce que ce n'était pas évident. Muriel et moi, on a une volonté de faire et un optimisme à toute épreuve. Et on s'est dit, en étant positive, ils vont être avec nous. Vous l'avez été, donc vraiment un grand merci. Ce n'était pas évident. On avait fait une programmation dense et joyeuse et généreuse pour que vous nous suiviez. Vous l'avez fait, donc vraiment un grand merci. C'est pas pour... brosser dans le sens du poil, c'est vraiment vous dire merci parce que c'était pas évident pour nous non plus, vous nous avez suivis. Cette programmation, elle se fait donc sur nos 2 nouvelles salles et la 3e en janvier 23. Ces salles, vous les avez vues, elles sont accessibles, elles sont, agréables. La cuisine, pareil, on était très, très positive en attendant d'y aller et encore plus en l'ayant ouverte avec Bérénice. 5 dates, on l'a exploité que 5 fois, mais c'est un endroit assez paisible, on ne le pensait pas autant. Et maintenant, si je peux t'interrompre, oui. Maintenant, la clim marche à la cuisine. En plus, voilà. L'équipement y est, voilà. Donc, à la rentrée, tout sera parfait. S'il y a de la clim, il y aura du chauffage l'hiver. Et puis, on en parlera un petit peu plus après, mais on a un restaurant, un bar. Donc, là-bas, vous pourrez prendre le temps. La salle sera numérotée. Donc, vous pourrez arriver un petit peu en avance et en partir un peu plus tard. L'accès est simple, le tram, le parking. Et pour ceux qui viennent de loin, l'autoroute est directe. Enfin, voilà. On essaie de trouver des choses simples à vous dire, pour vous dire merci et suivez-nous encore cette année. Et la 3e salle sera au cœur de Nice, iconique. Elle n'ouvrira qu'en janvier puisqu'elle est encore en travaux. Mais vous ne la voyez pas, n'ayez pas peur. Tout le monde me dit, mais le chantier n'est absolument pas fini. Mais la salle, elle est en sous-sol. Elle est déjà construite. Il faut que le gradin arrive et que les équipements se fassent. Mais elle est construite, vous ne la voyez pas. Elle est en sous-sol. On est en train de choisir vos fauteuils. Voilà. Donc... Le décorum autour n'est absolument pas fini, mais la salle, ce sera le premier équipement terminé. Mais ce qu'on voudrait commencer par un petit retour sur le passé. C'est pas tellement notre genre, mais on se dit qu'on doit quand même un peu vous montrer ce dont vous avez été capable et ce qu'on a réalisé ensemble toute la saison qui vient de s'écouler. Alors, petit teaser du passé. Thank you.
Bravo à Régis Roca, notre responsable de la communication, avec toute son équipe qui nous propose ces petites mémoires qui font du bien. Et ce sont les vôtres. Alors, dans nos trois nouvelles salles, la salle des Franciscains, vous avez vu, peut-être vous avez suivi les trois créations qu'on a faites successivement, puisqu'il y a eu le sourire de Darwin, mais il y a eu aussi son tambour et puis le temps des trompettes. On va essayer de continuer à vous proposer des formes, voilà, parfois à cheval entre le théâtre, la musique, le cinéma, pour essayer d'être dans une écriture très contemporaine et pas uniquement vous proposer des classiques. En revanche, à la cuisine, on va en profiter pour se déployer, parce que le plateau est très grand, pour faire des spectacles généreux, vous allez voir dans la programmation, avec des grosses distributions, et toujours dans l'optique de rapprocher de chacun des spectateurs, et surtout des jeunes, les grands textes du répertoire. Et puis il y aura à nouveau des grands rendez-vous de danse, des grands rendez-vous de cirque, des rendez-vous spectaculaires. Et en revanche, à Iconique, qu'on va ouvrir en janvier, on va privilégier les seuls en scène, les écritures très contemporaines, notamment notre comité de lecture, les créations que nous faisons ici au Théâtre National de Nice, et beaucoup d'accueil de compagnies de la région. Voilà, pour que chaque salle garde un tout petit peu son ADN, mais la programmation continuera à vous proposer des formes différentes pour que chacun y trouve son bonheur. Et on va continuer nos collaborations sur le territoire local, mais aussi régional. On collabore pour la première fois avec le Printemps des marionnettes de la scène 55 de Mougins. On vous présentera un des spectacles. Les abonnés peuvent, en souscrivant l'abonnement à Nice, aller à Mougins, voir un spectacle des Anges au plafond, dont je vous parlerai tout à l'heure. On continue le festival Trajectoire avec le théâtre de Carros. On programme deux spectacles ici dans nos salles qui seront dans le festival. On continue aussi les Nice Jazz Festival Sessions avec la session d'hiver du Nice Jazz Festival. Notre programme sera disponible à partir de septembre. On fera aussi une opération avec l'Opéra de Nice qui viendra présenter deux concerts, un dans la salle des Franciscains, un à la cuisine de l'Orchestre Philharmonique. Et on accueillera à la cuisine le ballet Méditerranée pendant les vacances d'avril. On collabore aussi cette année un petit peu plus profondément, on va dire, avec l'Université Côte d'Azur et UC Art, puisque avec eux, nous co-programmons, on va dire, deux spectacles de la saison pour être encore plus accessibles aux étudiants. Et puis, on a deux partenariats avec Monsartou, le Festival du Livre, mais aussi avec l'Entrepont et le Centre Neuf. Tous ces rendez-vous-là, on vous les détaillera en septembre avec Muriel, et on essaiera peut-être de faire un nouveau rendez-vous pour vraiment détailler l'ensemble des choses annexes. Elles ne le sont pas parce qu'elles sont notre quotidien, mais elles sont annexes à la programmation. Alors, on va dérouler les spectacles en essayant de vous donner envie de vous abonner pour tous les 38 spectacles de la programmation. Non, dans une année, c'est pas trop. Non. Non. Alors, on va commencer avec une création. J'en profite pour vous dire qu'il y aura cette année 7 créations au Théâtre National de Nice, mis en scène par divers metteurs en scène. Et on commence avec l'équipe extraordinaire que j'adore. Frédéric de Golfiem et Jonathan Jensburger, qui sont dans la troupe du TNN depuis mon arrivée, et j'ai bien de la chance, ils vont vous proposer une dissonance Molière. Ils sont les spécialistes de ces fausses émissions de radio écrites un peu en public, comme improvisées, avec des spécialistes de Molière, des vrais acteurs, de faux acteurs, et donc ils vont nous perdre pour essayer que chacun, puisque vous savez c'est l'année Molière, pour qu'on commence cette saison avec... Chacun réfléchir à son propre Molière. Et est-ce qu'on l'aime bien? Est-ce qu'on ne l'aime pas? Et je sais que dans une petite vidéo que vous pourrez retrouver sur nos réseaux, Jonathan Jensburger nous révèle le nom de Molière qui n'est pas Molière. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir sur la petite vidéo. Et donc on démarre ici au Franciscain avec cette création de Frédéric de Golfiem et Jonathan Jensburger. On poursuit avec La cuisse du steward, qui est une coproduction avec le Théâtre du Rond-Point à Paris. C'est un texte de Jean-Michel Ribes et c'est mis en scène par Joséphine Demeaux et Myriam Corichi. Joséphine, vous l'avez vue sur scène, mise en scène par Muriel dans Zélinda et Lindoro. Elle jouerait le rôle de Zélinda. Vous la connaissez parce qu'elle fait pas mal de cinéma, donc son visage est connu, mais elle adore mettre en scène et elle avait envie de mettre en scène ce théâtre
burlesque ou de l'absurde que peut faire Jean-Michel Ribes. C'est le crash d'un Airbus dans la cordillère des Andes. Deux rescapés, et après avoir mangé l'équipe de rugby ou de baseball qui a trépassé, bah, il reste la cuisse du steward. Alors l'épouse veut absolument la garder pour le réveillon, mais le mari voudrait la manger tout de suite. Bon, voilà. Donc on va beaucoup rire, Joséphine joue aussi, et on est ravis. C'était une comédie qui avait été montée déjà par Ribes avec Jacqueline Maillan. On enchaîne avec une pièce qui s'appelle Smith et Wesson. Il ne s'agit pas du pistolet, mais c'est une pièce écrite par Alessandro Baricco. Alessandro, c'est un homme de théâtre extraordinaire qui a été journaliste, qui est musicologue, qui est acteur lui-même, qui écrit, qui a réécrit toute l'Iliade et l'Odyssée, simplifiée pour que les jeunes s'y engouffrent mieux que dans Harry Potter. Et Smith et Wesson, ça parle beaucoup du doute. C'est l'histoire de deux personnes, Smith et Wesson, qui se rencontrent au pied des chutes du Niagara, et ils y rencontrent une jeune femme qui recherche notamment les cadavres qui sont récupérés dans l'eau. C'est un polar, c'est délirant, mais ça parle beaucoup du destin de chacun, où chacun à un moment donné fait le bilan sur sa vie. C'est très beau, c'est une pièce très profonde et en même temps c'est très amusant. Et ce sera à la cuisine parce que c'est un grand plateau, on aura comme acteur notamment. Alors il y a marqué Christophe Lambert, c'est pas le Christophe Lambert du cinéma. Je vous rappelle qu'au théâtre, on connaît pas toujours les noms des acteurs, mais ce sont les plus grands acteurs du monde parce que rien n'est plus difficile que d'être sur un plateau. Alors il y aura le Christophe Lambert du plateau, mais il y aura Lolita Chama qui est la fille d'Isabelle Huppert notamment, qui est une merveilleuse actrice. Très jolie jeune femme. 7 minutes, on va vous retrouver ici au Franciscain et vous découvrirez la salle en version bifrontale. 7 minutes, c'est la Comédie Française. On est ravis de retrouver la Comédie Française à Nice. C'est un spectacle qui a été créé cet hiver, qui a eu un grand retentissement. C'est une jeune metteur en scène, Maëlle Poésie, qui vient d'être nommée dans un des CDN de France. C'est Stefano Massini, que vous avez déjà vu par ailleurs, monté par Arnaud Meunier, les chapitres de La Chute, mais aussi par Irina Brook, Terre Noire, Le Point d'Interrogation. Donc Massini, c'est un auteur italien qui aime s'emparer de textes sociaux, contemporains, et il arrive toujours à faire un petit décalage et à y mettre du suspense. Et là, c'est l'histoire d'un comité d'entreprise, et puis l'entreprise va très mal, donc les 10 femmes du comité d'entreprise se réunissent, elles attendent la déléguée syndicale qui va leur annoncer le nouvel accord d'entreprise. Et l'accord d'entreprise porte sur 7 minutes. Et ces 7 minutes vont être un débat, il va y avoir une sorte de thriller social autour de ces 7 minutes. Et ça montre l'impact des conditions sociales dans les entreprises. Il n'y a que des comédiennes de la Comédie Française au plateau, elles sont 10. Ça m'importe beaucoup puisque vous le savez, je vous l'ai déjà dit maintes fois, j'ai passé 30 ans de ma vie à la Comédie Française et vraiment il y a un artisanat absolument admirable parce que les acteurs ils jouent toute l'année et donc il y a un niveau de jeu extraordinaire et on a beaucoup d'acteurs qui viennent de la Comédie Française dans la programmation cette année et deux spectacles produits par la Comédie Française. On enchaînera à la cuisine avec une pièce qui s'appelle La Dernière Lettre, qui est une pièce de Violaine Arsac. C'est une pièce qui m'a bouleversée quand je l'ai vue parce que c'est quand le théâtre s'empare des vrais sujets de l'actualité. C'est une façon aussi c'est une des responsabilités du théâtre de rendre la parole à ceux qui ne l'ont pas. Il s'agit d'une femme dont le mari a été tué et l'assassin de son mari est en prison et il y a une bénévole visiteuse de prison qui propose à cette femme de lire la lettre de l'assassin de son mari. Évidemment au début elle refuse, mais cette bénévole essaie désespérément de mettre en contact la victime et l'assassin, enfin l'assassin indirect, et petit à petit ça pose la question du pardon. Est-ce qu'on peut pardonner? Est-ce qu'on peut traverser sa peine? C'est des questions qui sont assez bouleversantes, qui sont très profondes. C'est admirablement joué par des comédiennes et notamment Noémie Delattre qui est, quand elle n'est pas dans ce spectacle, une femme qui est très féministe et qui fait des superbes one woman show. Et il y a aussi Marie Brunel, parfois Cécile
Cécilia Ornus. Enfin, ce sont des comédiennes merveilleuses. Et c'est un théâtre qui fait réfléchir sans qu'on s'en rende compte. Mais quand on ressort, on reste en suspens sur la question, est-ce que j'aurais fait pareil? Et vous verrez, je ne raconte pas la fin. On reste à la cuisine avec Ouvrouba, opéra méditerranéen, pardon. Ça fait partie de nos cinq propositions de danse cette année. Ali et Edith Abbé sont deux frères, l'un chorégraphe, l'autre danseur. Ils mêlent les spectacles à deux et l'un a une particularité physique, il est unijambiste. Ils font des duos assez émouvants, toujours. Et là, ils se sont confrontés, ils sont partis vivre tous les deux, séparément, mais tous les deux en Grèce. Et pendant 4 ans, ils n'ont pas fait de spectacles, ils se sont nourris de ce qu'ils ont vécu en Grèce. Et ils sont tombés amoureux du rebetiko. Donc ils ont eu envie de faire un projet autour du rebetiko et d'un des mythes de la Grèce, le mythe de Narcisse. Et de confronter les acteurs, les danseurs à ce mythe-là et au miroir que ce mythe leur renvoie. Ils ont au départ fait une simple chorégraphie et puis le rebetiko les a pris et ils ont souhaité y associer des musiciens. Donc au plateau, vous aurez des musiciens et des danseurs. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça un opéra méditerranéen. On enchaîne à la cuisine avec les Antipodes. Alors on est très heureuse parce que c'est un spectacle qui est proposé avec les Tégestan. C'est un groupe d'acteurs et d'auteurs flamands qui font toujours du théâtre à la limite du réalisme, réalité et théâtre. On ne sait jamais, ça fait beaucoup penser à leur écriture à Jonathan et Frédéric sur Dissonance Jeanne d'Arc. Là il s'agit de se poser la question s'il ne restait qu'un seul ouvrage, lequel garderait-on? Quel est l'ouvrage qui nous raconterait le mieux le monde et qui témoignerait de la vie humaine? Évidemment, ce sujet est sérieux, mais eux ne sont jamais sérieux. Ce sont des artistes qu'on adore, Ella et moi, et on rêve depuis longtemps, depuis que je suis arrivée, de les inviter. Voilà, ce sera fait à la cuisine et ce sera au mois de novembre. Et c'est l'un des deux spectacles que nous coprogrammons avec l'Université Côte d'Azur, UC Art. On continue au franciscain avec une création coproduction qui va se faire là en juillet au Festival In, qui s'appelle Dans ce jardin qu'on aimait. On a rencontré avec Muriel Marie Vial, que vous avez vu dans le quadrille qui a été présenté à l'Opéra cette année. Marie Vial est une comédienne d'une douceur, elle a une voix qui transporte et elle a la chance d'être aussi musicienne, elle joue du violon. Elle est tombée amoureuse de ce texte de Pascal Quignard avec qui elle a déjà fait 5 spectacles autour de l'œuvre de Chénet. C'est tiré d'une vie réelle, mais c'est très romancé. Le rapport de Chénet avec sa fille, puisque sa fille est née et son épouse est morte en couche. Et il y a voilà, une histoire un peu difficile qui a échelonné leur vie. Et puis ils se sont séparés et lui a voué un culte à son épouse en continuant à s'occuper du jardin qu'elle avait laissé. Et dans ce jardin, il a écouté tous les sons, notamment les oiseaux. Il a retranscrit en musique tous les chants des oiseaux. Et à sa mort, sa fille a fait un grand livret et elle a condensé tout ça. Et Marie a eu envie de partager avec le public, avec une fiction, mais tous ces sons. Voilà. Donc c'est une proposition un peu particulière. Et comme le disait Muriel, ce seront des propositions qu'on fera ici au Franciscain, mêlant musique et théâtre. Voilà. Et elle sera au plateau avec son violon. Alors je vous réemmène à la cuisine pour le grand répertoire puisque on va renouer avec Shakespeare, avec l'Othello de Shakespeare, dans une mise en scène, à mon avis, d'un des plus grands metteurs en scène quadragénaire, peut-être qu'il approche des 50 ans maintenant, qui s'appelle Jean-François Civadier. Jean-François a fait des spectacles extraordinaires, et notamment il avait fait un spectacle qui s'appelait Orchestre sur la Traviata, où les spectateurs étaient dans la fosse d'orchestre et on regardait le spectacle dans l'autre sens. C'est un metteur en scène incroyable. On a vu peut-être son Roi Lear dans la cour d'honneur il y a quelques années à Avignon pendant le festival. Il travaille notamment très régulièrement, parce que c'est un fidèle, avec des acteurs qui l'inspirent, et notamment le merveilleux Nicolas Bouchot. Et ce Shakespeare, c'est un grand voyage aux racines de l'art, mais c'est vrai, puisque Othello se laisse convaincre par le méchant Iago, et l'homme est capable parfois de prendre le mauvais chemin.
Ce sont des sujets sérieux qu'on enchaîne depuis tout à l'heure, mais je crois sincèrement que ce sont les plus grands metteurs en scène qui sont capables de le faire avec beauté ou réjouissance et qui nous permettent non seulement d'être dans la distraction, mais une distraction profonde. Et c'est ce qu'on essaye de vous proposer pendant tout le fil rouge de cette programmation. On continue au Franciscain avec un spectacle jeune public qui s'appelle Jamais dormir. Jamais dormir, c'est un texte et une mise en scène de Baptiste Amann, qui est un jeune metteur en scène. On dit jeune, il est une petite trentaine d'années. Il est assez repéré en ce moment. Et c'est son premier spectacle jeune public. Il est papa depuis très peu de temps et il avait envie d'écrire un spectacle pour sa petite fille. Il met en scène une petite fille de 8 ans qui se raconte des histoires la nuit. Et ça, c'est le pouvoir de l'imaginaire d'un enfant. Elle est sur son petit lit, un petit lit à 2 étages. Elle sera très proche de vous parce que le spectacle sera assez intimiste. Et puis, elle va se raconter des histoires avec son lit qui sera un lit couteau suisse. Et c'est les histoires qu'on peut se raconter la nuit quand on est enfant pour un peu évacuer peut-être la pression de la journée. Donc c'est à venir découvrir en famille. Et puis on va redonner ici, avant de passer en 2023, le chat en poche de Fedot que j'ai monté avec toute cette troupe merveilleuse. Et parce que ça a vraiment beaucoup plu et marché, parce que les acteurs l'ont pas assez joué, parce qu'on a envie de repasser le 31 décembre avec ceux qui auront envie de venir avec nous délirer pour cette soirée, danser et puis finir par s'embrasser parce qu'on aura le droit cette année. Je vous ai réservé une petite citation de Fedot, qui est un auteur absolument génial, fou, et c'est ce que j'aime dans la pièce, c'est qu'elle devient folle, elle n'est pas que drôle, et cette phrase dit: la paresse est la mère miraculeuse du travail parce que le père est totalement inconnu. Ça vous donne une idée de la démarche de l'esprit. On est chez Monsieur Pacarel. Monsieur Pacarel, c'est Frédéric de Golfiem. Il a décidé, sa fille Eve Perreur a réécrit l'opéra de Gounod, le Faust de Gounod, et il souhaite le faire jouer à l'opéra. Et pour ce faire, il se paye les services d'un ténor. Et quand le ténor arrive à la maison, il pense voir le ténor, mais c'est le fils de son meilleur ami qui vient étudier son droit à Paris. Et donc le quiproquo tient quand même pendant 3 actes. On s'amuse, ils sont géniaux, et c'est le moment à Noël de faire la fête. Mais avant de faire la fête, on va un tout petit peu aller au bord de la mer avec les filles. Du bord de mer et de ses filles au temps si clair. Elles avaient l'âme hospitalière, c'était pas fait pour me déplaire. Naïves autant qu'elles étaient belles, on pouvait lire dans leurs prunelles qu'elles voulaient pratiquer le sport pour garder une belle ligne de corps. Et encore, j'aurais pu danser la java. Ouais, c'était chouette, les filles du bord de mer. Soin, 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 c'était chouette pour qui savait y faire. Y'en avait une qui s'appelait Ève, c'était vraiment la fille de mes rêves. Elle n'avait qu'un seul défaut, elle se baignait plus qu'il ne faut. Plutôt que d'aller chez le masseur, elle invitait le premier baigneur à tâter du côté de son cœur. En douceur, et profondeur. Ouais,
C'était chouette, les filles du bord de mer. Soin, 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 c'était chouette pour qui savait y faire. Lui pardonnant cette manie, j'ai proposé de partager ma vie. Mais dès que revint l'été, je me remis à m'inquiéter. Car sur les bords de la mer du Nord, elle se remit à faire du sport. Je tolérais ce violon dingue, sinon elle devenait malingre. Et un beau jour, j'en ai eu marre, c'était pire que la mer à boire. Je l'ai refilé à un gigolo et j'ai nagé vers d'autres eaux. En douceur et profondeur. Hey! C'était chouette, les filles du bord de mer. Soin, 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 c'était chouette pour qui savait y faire. Allez, encore un tour. C'était chouette, les filles du bord de mer. Soin, 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 c'était chouette pour qui savait y faire. Monsieur Arnaud. Voilà, c'est le bonheur d'une troupe de le voir ainsi, alors que c'était il y a quelques jours encore un si sublime Titus. Merveilleuse troupe. Merci. Alors, on est en 2023 maintenant. On a quitté la salle des Franciscains et on est reparti à la cuisine. Et je vais mettre en scène les fourberies de Scapin. Et ce sera Jonathan Gensburger qui sera notre Scapin. Et Frédéric de Golfieb sera Sylvestre, son gentil compère. J'avais très envie, c'est la première fois que je vais monter Molière. Dieu sait que je l'ai beaucoup, beaucoup joué. Mais voilà, c'est une pièce qui parle quand même beaucoup du plaisir de la voyouterie, c'est-à-dire du plaisir d'aller trop loin, du plaisir des fables, et des fables sont parfois dangereuses quand on perd la réalité. Et Scapin risque gros, il risque sa vie, il risque sa position, même si elle est assez pauvre, et les vieux dans cette pièce sont vraiment terribles, parce que chacun reste sur son précaré et ne veut pas le partager. C'est une pièce assez violente, c'est pour ça qu'elle fait rire et que Molière a le génie d'en faire une comédie. Et ce sera à la cuisine, après on partira en tournée, et ce sera avec toute la troupe du TNN. J'ai trop d'amis, un deuxième spectacle jeune public. C'est un report de la saison dernière puisqu'il avait été annulé pour cause de Covid chez les trois comédiennes. C'est dans le cadre de Trajectoire avec le Forum Jacques Prévert à Carrosse. Eh bien, il y a trois actrices qui sont à hauteur d'enfant. Elles sont assez géniales parce qu'on dirait vraiment des gamines et des gamins puisqu'elles jouent rôle féminin et masculin en s'échangeant tous les soirs les rôles. Donc, vous pouvez venir plusieurs fois, vous ne verrez pas les mêmes comédiennes au plateau jouer les mêmes rôles. Et elles racontent avec humour et tendresse la rentrée au collège d'un petit garçon qui a eu bien trop peur pendant les vacances puisque c'était le spectacle précédent qui s'appelait « J'ai trop peur ». Et maintenant, il a trop d'amis et trop d'amis. Ça peut être aussi compliqué avec les réseaux sociaux, voilà. Donc c'est plein d'humour et de délicatesse sur ces problèmes que peuvent rencontrer en début d'adolescence tous nos enfants. Et c'est mis en scène par David Lescaut, que nous aimons beaucoup.
On continue à la cuisine avec Ombre Portée. Là, il s'agit d'un spectacle spectaculaire. On réinvite Raphaël Boitel, qu'on aime beaucoup, qui est cette jeune femme qui a commencé comme contorsionniste et qui est devenue metteuse en scène et chorégraphe, d'une certaine façon, sur l'équilibre. Et elle est absolument... autant lyrique que spectaculaire. Elle a travaillé pendant longtemps avec la compagnie L'Oublié. Elle a travaillé avec James Thierry, dont vous avez vu sans doute déjà beaucoup de spectacles qu'a accueilli le Théâtre National de Nice notamment. Ce spectacle va parler du sentiment de culpabilité. C'est l'histoire d'une jeune fille qui veut parler à son père pour avancer, puis finalement le père restant muet, elle convoque un peu toute la famille pour essayer de faire bouger ses sentiments. C'est d'une grande beauté et extrêmement délicat. C'est un spectacle très sensuel, et quand on aime la danse, l'équilibre, le cirque, voilà, l'écriture, vraiment ne ratez pas ce spectacle, cette nouvelle création de Raphaël. Cette année, vous avez vu La Chute des Anges de Raphaël Boitel. On continue avec Céleste et moi, à Iconique, que nous aurons ouvert, on a oublié Muriel, de parler du Festival de Magie. Ah, mais on voilà. va le garder pour la fin. Alors, on le garde on pour va la le garder fin. Pour on la fait fin. Une surprise à la fin. Voilà. Donc, au mois de janvier, fin janvier, on va créer le prochain spectacle du metteur en scène Cyril Cotineau, avec, on peut dire, son acteur fétiche en ce moment, puisqu'il l'avait déjà mis en scène dans son Hamlet Requiem. Il jouait le rôle d'Hamlet, que vous avez peut-être déjà vu il y a 4-5 ans à l'Ancien Théâtre, en salle Michel Simon. Donc, c'est Stéphane Ditordeau qui, là, a écrit un texte. Il vient d'être édité. Il a eu la chance d'avoir un prix littéraire. Et il avait envie de monter au plateau ce texte, mais il ne se sentait pas de le mettre en scène, donc il a fait appel à Cyril Cotineau, que vous connaissez bien. Et ce texte est un hommage à la génération qui avait une vingtaine d'années dans les années 90. Et pour Stéphane, qui est plus jeune, c'est une génération un peu rêvée. Il a l'impression que ce sont les derniers qui se sont beaucoup amusés, et après le sida est arrivé et puis des choses autres. On a chacun son opinion là-dessus, mais il avait envie de leur rendre hommage avec toutes ces grandes fêtes. Il a cet imaginaire-là, des grandes premières rêves parties, voilà. Et il est seul en scène et il raconte le destin d'un groupe d'amis. On retourne à la cuisine avec une pièce qui s'appelle La Campagne, qui est une pièce de Martin Crimp, qui est un des plus grands maîtres du théâtre anglais. C'est une histoire très psychologique. Il s'agit d'un couple qui choisit d'aller à la campagne. On a eu certains ce réflexe après la pandémie, pour essayer de se reconstruire, pour essayer de retrouver les bases de leur couple, de leur histoire, de leur propre vie. Et notamment lui, qui est médecin, essaye de, on l'apprendra petit à petit, de se désintoxiquer, parce que il est drogué, il est habitué aux médicaments. Et puis un jour, ils viennent d'arriver à la campagne, ils ramènent chez lui une jeune femme qu'il a trouvée sur le bord de la route. Et cette jeune femme est le révélateur de toutes les pensées cachées, de tous les doutes, de toutes les jalousies. Donc c'est une remise en question absolue, alors même qu'ils essayaient de se retrouver. C'est comme un grand polar. On y retrouvera notamment Isabelle Carré, cette merveilleuse actrice qu'on a vue cet hiver. Voilà, c'est le génie quand même de Crimp, c'est de nous inquiéter, parce qu'en fait on comprend jamais vraiment ce qui se passe, et c'est nous qui répondons à la question de la fin de l'histoire, qui résolvons l'énigme. C'est assez formidable. Fraternité, toujours à la cuisine. Fraternité, conte fantastique. Alors, ça a été l'un des événements du Festival d'Avignon l'année dernière. C'est Caroline Guélin Nguyen, qui est une jeune metteur en scène, qui a fait ses premières classes à Nice et dont Frédéric a été le professeur quand on donnait des cours à l'Ancien Théâtre. Elle a fait la fac à Nice, le conservatoire, puis elle est partie au TNS, dont elle est sortie. Et depuis, elle fait des grandes fresques. Elle a fait un grand spectacle il y a quelques années qui s'appelait Saïgon, parce qu'elle est d'origine asiatique. Et elle avait besoin de parler du passé de sa famille, toujours en montant une grande fresque avec des témoignages. Et là, plutôt que de partir vers le passé, elle s'est engagée dans le futur, et elle a fait pendant 2 ans de grands entretiens avec des amateurs de théâtre, mais aussi des prisonniers à la prison de Arles. Elle a fait des ateliers, elle a recueilli plein de témoignages sur ce qu'on peut imaginer
qu'on ait envie ou pas que le futur soit. Et elle se sert de la fiction pour mettre en scène ses peurs et ses espoirs et ses espérances. Et la fiction commence par une éclipse. Et lors de l'éclipse, qui ne dure que 4 minutes, quand la lumière revient, la moitié de l'humanité s'aperçoit que l'autre moitié a disparu. Et là, c'est l'altérité et se dire qu'on a besoin des autres pour vivre. Et c'est ce questionnement qu'elle nous fait partager avec des amateurs au plateau. C'est une très grosse distribution. Ils sont plus de 25 au plateau. Elle a fait tout un travail avec des amateurs. Et voilà, on va partager avec elle un conte fantastique. On retourne cette fois à Iconique. On a ouvert avec une surprise qu'on va développer tout à l'heure. On a proposé Céleste et moi, donc comme je vous le disais, de l'écriture contemporaine, des seuls en scène et des troupes de la région. On va continuer à Iconique avec le cabaret de Monsieur Mouche. C'est le merveilleux Thomas Garcia avec la compagnie Gorgomar qui est venu répéter l'hiver dernier dans nos salles de répétition pour ce nouveau cabaret. Ils sont trois. C'est quand même extraordinaire, les clowns, parce que quand d'un seul coup ça marche, quand ça naît, c'est absolument magique. Ça convoque l'enfant, c'est l'apologie de la bêtise. C'est tout ce qu'on aimerait faire et qu'on n'ose pas s'accorder. Il s'agit toujours de ce gardien de théâtre qui invite les gens de l'ombre, les techniciens, à expérimenter ce qui se passe sur le plateau parce qu'il leur dit que finalement, c'est pas mal d'être sur le plateau. Et ils arrivent et en musique et en chanson et en étonnement et en grosse bêtise. Et on est très heureux de poursuivre ce travail avec cette compagnie vraiment qui se développe, qui se déploie très très bien, cette compagnie niçoise. On continue au Franciscain, avec une création-production, La Loi du Corps Noir. C'est un texte et une mise en scène de Félicien Jutner que vous avez rencontré dans le Zélinda et Lindoro que Muriel a mis en scène l'année dernière. Il était Lindoro. Il a écrit un texte qui part d'un fait divers, un incendie a ravagé la bibliothèque d'un lycée et on va suivre le destin de deux mères et des deux enfants, l'enfant de chacune d'entre elles. Il va y avoir une enquête parce que l'un va être le suspect, l'autre peut être la victime, ou voilà, on ne sait pas trop la vérité, c'est un spectacle sur la vérité. Félicien a eu envie, il est en train d'écrire d'autres textes autour de ce thème-là. Il met en scène Muriel, donc Muriel sera au plateau, on est ravis de la retrouver. Les deux femmes sont donc Muriel Mayetholz et Anne Loiret, qui est une magnifique comédienne aussi. On aura notre cher Frédéric qui jouera l'inspecteur qui vient enquêter, et Alexandre, qu'on va vous présenter, que Muriel va vous présenter, qui est un nouvel arrivant dans notre troupe, Alexandre Diocheu, qui jouera l'un des deux adolescents et la distribution est en cours. On a vu Félicien Jutner l'hiver dernier dans la trilogie de Goldoni. Alors après, on continue avec à nouveau une jeune femme, Victoria Thierry Chaplin, pour Bells and Spells. C'est un spectacle magique là aussi, c'est un spectacle... de magie et en même temps d'acrobatie, puisqu'il n'y a pas de parole, mais c'est une kleptomane, et cette kleptomane, un petit peu dans un décor art déco, fait bouger les objets, les vole, les transforme, tout est magique, on voit les corps se démantibuler, c'est un moment suspendu de rêve. Elle a beaucoup travaillé avec, là aussi, c'est dans l'école James Thierry, ce sont des artistes qui sont entre le cirque et la performance et la danse, et on est très heureux d'ailleurs dans cette saison parce que les CDN de France, vous savez il y a 38 CDN en France, on a signé une charte en s'engageant sur une parité entre les artistes femmes et les artistes hommes, et Ella et moi, peut-être parce que nous sommes des femmes, mais sans y réfléchir, on est en équilibre sur cette parité, on en est très contente parce que ce sont de grandes écrivaines du plateau. Elles sont assez uniques et avec des univers très, très singuliers. On continue avec une création à Iconique, caricature miniature. On retrouve Frédéric de Golfiem à la conception et à la mise en scène. Frédéric, comme il sait le faire avec humour et décalage, avec cet humour qu'ont les bouffons du roi, a dessiné et commence à construire un texte
un jeu de construction. Ça va être peut-être des duos, des trios, un puzzle qui peut se suivre ou se voir en petits épisodes. Ce sont des tableaux qui vont s'enchaîner. Il prend le parti de rire de tout, de notre quotidien, et il le tourne en dérisoire. C'est sa qualité. On est ravis de partager avec lui cet humour-là. Surtout que ce spectacle sera un peu comme un grand jeu de Lego et on va continuer à le travailler, il va continuer à le développer au fur et à mesure des saisons et moi-même j'aurai le droit un jour de faire ma petite caricature miniature. J'aurai le droit d'aller me plaindre à un endroit et d'expliquer ce qui me dérange, ce qui me chatouille. On enchaîne à nouveau à la cuisine avec une chorégraphe géniale, une scénographe, Gisèle Vienne, qui nous propose Crowd. Crowd, ça veut dire foule, la foule. C'est un spectacle de danse, mais où ils sont 15 sur le plateau. C'est un spectacle qui te prend aux tripes parce que ça raconte l'histoire d'une fin de fête, comme une rave party. Mais dans ce moment-là, elle détaille chacun des danseurs, raconte par la danse ce qu'il est en train de vivre. Le début de l'amour, les sensations, la tête qui tourne, la rencontre avec l'autre, l'excitation. Elle reprend des mouvements au ralenti comme si le temps s'arrêtait. C'est un spectacle extrêmement émouvant quand la danse t'emmène. Vraiment, on s'est beaucoup acharné pour vous proposer ce spectacle où ils sont nombreux sur le plateau. Et c'est le second spectacle en partenariat avec l'Université Côte d'Azur. On continue ici au Franciscain avec un spectacle jeune public qui s'appelle Gretel Hansel et les autres que nous coproduisons. C'est l'acteur metteur en scène qui s'appelle Igor Manjinski. C'est son premier jeune public lui aussi. Il sera créé à Avignon cette année à l'église des pénitents noirs, donc il ne sera pas dépaysé, il sera chez nous aux franciscains. C'est d'après Hansel et Gretel des frères Grimm. Et il a décidé de faire un dispositif un peu particulier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait présenté, vous avez vu la suite peut-être en Antea, un spectacle qui s'appelait Kiss and Cry, un spectacle de marionnettes qu'avec les mains. Et c'était retransmis, il y avait un grand écran qui montrait en grand écran ce qu'on pouvait voir au plateau et les manipulateurs ne jouaient qu'avec leurs mains, il y avait un petit train, voilà. Et Igor a voulu reproduire l'histoire avec des mini-personnages qu'il va filmer. Il y aura des comédiens au plateau qui vont manipuler et qui vont jouer, mais on va jouer, le public, jeune public, va jouer avec lui au plateau. Voilà, c'est à découvrir, le spectacle sera créé le mois prochain à Avignon. On enchaîne avec une pièce, c'est la première pièce de Laurent Mauvignier qui s'appelle « Tout mon amour ». C'est Arnaud Meunier, dont vous avez vu maintes fois des mises en scène ici chez nous, qui, cette pièce, elle raconte l'histoire d'une famille qui a perdu, il y a une dizaine d'années, leur fille de 6 ans qui a disparu. Et ils ne savent pas ce qu'elle est devenue. Et puis la pièce commence sur l'enterrement du grand-père. Et à ce moment-là, ressurgit dans la vie de cette famille, de ce couple avec un enfant, avec un garçon, une jeune fille de 16 ans. Et donc, ça casse tout la construction de cette famille, les non-dits, les peurs, les chagrins enfouis, et tout le monde se sépare, ça fracture la cellule familiale. C'est un merveilleux metteur en scène, Arnaud Meunier, parce qu'il est très... D'abord, c'est un grand directeur d'acteurs, mais il a une grande finesse. Et ce spectacle, il est traité avec une pudeur infinie. On a notamment les merveilleux comédiens Philippe Torreton et Anne Brochet. Et c'est important, je crois, aujourd'hui, que le théâtre embrasse les faits divers, embrasse les thèmes qui nous concernent, notamment la famille. Vous voyez, il y a plusieurs pièces qui parlent de la famille, qui sont au cœur même du foyer, et le théâtre qui vient nous raconter ce qu'on désespérément on essaye d'enfouir. C'est un spectacle très fort. Chanson de Barbara, la salle iconique, c'est notre spectacle de musique cette année. C'est sous la forme d'un trio, Lucasa, qui s'approprie les chansons de Barbara. Alors c'est un hommage et en même temps c'est assez décalé.
Je suis pour ma part fan de Barbara et de la Dame en noir, et j'ai été transportée par leur interprétation. C'est pas du tout joué, ils se le sont approprié. Il y a un bassiste génial, et c'est retranscrit un petit peu différemment, et on redécouvre les textes de Barbara un petit peu différemment. Et ce sera donc trois musiciens au plateau à Iconique. On enchaîne avec un spectacle assez aussi considérable du point de vue de la distribution, puisqu'il s'agit d'un mois à la campagne de Tourguenieff. Tourguenieff, cet auteur russe qui a fini sa vie en France, hein, qui est décédé en France. Cette pièce, elle parle de la fin d'un monde. On est en villégiature chez Natalia, pardon, et Natalia a engagé un jeune précepteur pour sa filleule, pour sa pupille. Et il s'appelle Alexeïtch et il est beau comme un dieu, il est brillant, il est drôle, et la pupille commence une histoire d'amour avec ce jeune homme. Il fait beau, on est à la campagne, et d'un seul coup ça réveille des désirs enfouis chez Natalia, et elle décide de le séduire, et donc ça casse évidemment l'ambiance, on peut dire ça comme ça. C'est de la veine tchékovienne, c'est d'une finesse, c'est comme une promenade dans notre capacité à souffrir. C'est un très beau spectacle, et surtout c'est mis en scène par un acteur de la Comédie Française. Je suis très fière parce que c'est moi qui lui ai confié, quand je dirigeais la Comédie Française, sa première mise en scène. Il s'appelle Clément Hervieux-Léger. Il a été, quand il était très jeune, assistant de Patrice Chéreau, et donc il a une veine classique, c'est ce qu'on partage ensemble. C'est un metteur en scène qui est très généreux, mais qui aime les écritures classiques. Et je pense que c'est plaisant de pouvoir vous proposer ça à la cuisine, parce que c'est une grande pièce. Et ce sera joué avec des acteurs, notamment de la Comédie Française, qui n'y sont plus. Mais il y a Isabelle Gardien, Georgia Scalier, parce qu'elles ont souvent travaillé avec lui et qu'il met souvent en scène des spectacles aussi aux Français. On fait une incursion avec de la marionnette, et c'est le spectacle qu'on vous propose à Mougins, à la scène 55, Le nécessaire déséquilibre des choses. C'est la compagnie Les Anges au plafond, que vous avez peut-être découverte l'année dernière avec Au fil d'Œdipe, pardon, et une Antigone de papier. C'était un dispositif où vous étiez sur le plateau, on jouait un soir l'un, un soir l'autre. Ils avaient décidé de travailler autour des mythes. Ils font de très grandes marionnettes. La manipulation se fait au plateau à vue. Les comédiens jouent avec les marionnettes. Ils sont facteurs de marionnettes. Ils les construisent eux-mêmes. Et il y a toujours des musiciens avec eux. Ils choisissent le spectacle et la musique au moment de la manipulation. Et donc là, c'est sur le sentiment amoureux et ce déséquilibre sur lequel on peut être quand on est amoureux. Alors, avant de continuer de vous présenter la dernière partie de cette programmation, allons cueillir quelques fleurs. Your girl is crying in the night. Is she wrong or is she right? Je ne peux plus rien y faire. Your girl is shining in the night, burning, burning, burning bright. Je ne sais plus comment faire. Dites-lui que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et d'hirondelles, du chagrin, de vent et de frissons. Dites-lui que je pense à elle quand on me parle de Magnolia, que j'entends ces musiques nouvelles qui résonnent comme des bruits de combat. Your girl is crying in the night. Is she wrong or is she right? Je ne peux plus rien y faire. Your girl is shining in the night, burning, burning, burning bright. Je ne sais plus comment faire.
ressemble quand elle tremble, et dans sa voix j'entends parfois un peu ta voix. Elle te ressemble quand elle tremble, quand elle pleure là dans le cœur des arbres en fleurs. Des magnolias par centaines, des magnolias comme autrefois, je ne sais plus comment faire des magnolias. Sont toujours là. You girl is crying in the night. Is she wrong or is she right? Je ne peux plus. Shining in the night, burning, burning, burning bright. Je ne sais plus comment faire. T'es magnifique, Ève. Je t'adore. Et c'est tellement beau. Il n'y a que deux troupes en France. Il y a la troupe du Théâtre National de Nice et la Comédie Française. C'est pas compliqué. On continue. On est aux Franciscains et on va accueillir un spectacle qui s'appelle Max. Qui est l'histoire incroyable de Max Linder. Max Linder, on le connaît plus bien, il reste un cinéma qui s'appelle le Max Linder, mais c'est lui qui a inspiré Charlie Chaplin, qui a transformé le cinéma muet, qui a une vie incroyable, qui a fini par vouloir se suicider. Il a épousé une jeune fille, il a rencontré une jeune fille qui avait 16 ans, il a voulu suicider avec elle. Elle l'a trompé, elle a fait semblant de lui donner le narcotique, et puis elle l'a sauvé, et puis finalement il a quand même réussi à se suicider avec elle plus tard. Enfin, c'est un génie qui est allé aux États-Unis. Il réussissait tout ce qu'il faisait. Il a une vie incroyable, et pour le ressusciter d'une certaine façon et lui rendre tout ce qu'on lui doit, on a un spectacle qui est écrit et mis en scène par Stéphane Olivier Bisson, mais qui est interprété par Jérémy Lopez de la Comédie Française. Je l'ai engagé, c'est un acteur incroyable qui est très terrien, très concret. Et de le voir dans ce spectacle, ça sera un enchantement, parce que c'est un acteur qui a du cœur. Et c'est important que Max Linder, on s'en souvienne au plus fort de son génie. C'était quelqu'un de très fou, mais de très généreux. On continue à la cuisine avec Lamanta. La Manta, c'était une création du Festival d'Avignon l'année dernière, un spectacle de danse d'un duo, Ken Agustinen et Rosalba Torres Guerrero. C'est un spectacle qui m'a profondément émue. Au plateau, vous avez 15 danseurs. Le duo Ken et Rosalba ont travaillé autour du La Manta, qui est un son, une danse folklorique autour de la prière aux morts. Et donc c'est au départ pas très joyeux, mais ça vous prend aux tripes, et ça devient des musiques un petit peu lancinantes au départ, qui peuvent un peu dérouter, et après on est pris dans la danse. Ils sont magnifiques au plateau, vraiment, on est vraiment pris avec eux, on a envie de danser avec eux. C'est une belle évocation d'un chant folklorique grec, et c'est remis avec des musiciens contemporains et des danseurs contemporains.
Et on a réussi à vous présenter la mouche. Ça fait 2 ans qu'on le programme et qu'on n'y arrivait pas. La mouche, c'est ce spectacle génial, écrit et mis en scène par le couple infernal Valérie Le Sor et Christian Eck. C'est l'histoire du garçon qui essaye d'inventer une machine à remonter le temps. Et dans cette machine, il fait des essais. Alors, il met le chien, il met le poulet, et il finit par mettre sa fiancée. Il vit avec sa mère. C'est un petit peu influencé par une émission de striptease. Sa mère est jouée par cette géniale actrice Christine Murillo. Et au bout d'un moment, sa fiancée disparaît. Puis alors, quand il essaye lui-même pour essayer de retrouver sa fiancée, il se transforme finalement en mouche. C'est délirant. Vous les avez vus sans doute avec le voyage de Gulliver. Voilà, on est content enfin de les accueillir à la cuisine. Je m'appelle pas. On retrouve la salle iconique et c'est une création production. Édouard Signolet, qui est notre auteur associé, qui est un auteur dramatique mais aussi metteur en scène, que vous avez déjà entendu et avec la troupe sur Bande Annonce Goldoni la première année de la première saison de Muriel, la petite leçon de zoologie à l'usage des princesses qu'incarnait Ève, mais aussi cette année avec Alice en version opératique qu'on a vue dans la grande salle. Là, c'est un texte qu'il a écrit sur le destin d'une petite fille qui ne s'appelle pas. Donc elle ne s'appelle pas, donc on ne peut pas l'appeler, elle n'existe pas, c'est difficile de ne pas s'appeler, et donc pas, c'est son prénom. Et quand on ne s'appelle pas, ben on se construit un univers, on se construit une vie, un destin, et puis comme sait le faire Édouard, il va mêler des histoires qui vont être des réminiscences pour nous, le petit chaperon rouge, elle va se perdre en forêt, elle va rencontrer des amis, et elle va construire sa vie assez paisiblement, et ça va bien finir. Voilà. Et la troupe sera aux côtés d'Édouard pour créer ce spectacle. On enchaîne avec un classique d'une certaine façon, avec En attendant Godot, mis en scène par Alain Françon. Alain Françon, c'est un des plus grands metteurs en scène français aujourd'hui. On n'a plus la chance d'avoir Jean-Pierre Vincent, Jacques Lassalle, Patrice Chéreau. Donc ça nous faisait très plaisir, ça nous paraissait logique d'inviter Alain Françon. Ce spectacle, il cartonne en ce moment sur toutes les critiques. Si vous lisez les journaux, les critiques de spectacles, sont des grands, grands comédiens. Il y a Gilles Privat, il y a André Marcon, Philippe Duquesne. C'est vraiment un spectacle. Le talent de Françon, c'est de faire des spectacles très sobres. Et ça raconte de Estragon et Vladimir qui attendent Godot et Godot ne vient jamais. C'est des rapports de force. Il y a encore des énigmes chez Beckett. Mais c'est une des pièces qu'il a les plus réécrites. C'est d'ailleurs une des pièces qui est le plus jouée dans le monde, avec Hubu Roy notamment. Et il disait que nous naissons tous fous, mais quelques-uns le demeurent. Et ça parle de ça, En attendant Godot. Quelle est notre quête? Ce sera à la cuisine. À Iconique, on va recevoir une compagnie locale portée par Philippe Martz, qui est spécialiste du clown. Il a monté un spectacle qui s'appelle Petit boulot pour vieux clown de Matei Wisniewski. Matei Wisniewski, après Beckett, c'est le Beckett ou le Ionesco roumain. Cette pièce est beaucoup montée en France. Et c'est l'histoire de 3 clowns qui vont se présenter, alors on pourrait dire à Pôle emploi, ils vont se présenter à un bureau de travail. Et puis il n'y a qu'un seul boulot pour un seul clown. Ils vont au départ être très heureux de se retrouver parce qu'ils ont déjà travaillé ensemble dans un cirque. Et puis après, la dispute va arriver parce que chacun va dire « mais c'est moi le meilleur ». Et puis le burlesque et l'ubuesque va se mettre au milieu de tout ça. C'est une belle partition pour 3 clowns qui se retrouvent aussi dans la compagnie de Philippe. Et puis on enchaîne avec un coup de cœur, une création du TNN, un coup de cœur parce que ce sont 2 acteurs, Brigitte Fosset et Jean Sorel, qui sont venus me voir en me disant on voudrait faire Love Letters. Alors j'ai dit oui, d'accord, je vais vous mettre en scène dans Love Letters. C'est un texte de Gurney, mais c'est l'occasion d'un aria, c'est comme un aria pour 2 acteurs. C'est une immense histoire d'amour, c'est l'histoire d'un couple qui n'a jamais été un couple. Ils se sont connus tout petits à l'école et leur première correspondance,
ils s'envoyaient des petites cartes pour Noël, pour leurs anniversaires. Et petit à petit, ils ont gardé ce rythme de s'écrire. Enfin, ce rythme qui parfois a des trous. Lui est devenu un avocat brillant. Il s'est marié. Elle est devenue mère de famille. Et elle n'a pas trouvé vraiment de sens à sa vie. Elle a commencé à boire, à accumuler les amants. Et jusqu'au bout, ils se sont aimés. Peut-être que c'était le plus grand amour de leur vie. C'est un aria pour des acteurs. C'est magnifique. Et là, ce sont de très beaux comédiens. Ce sera au Franciscain. À la cuisine, on accueille de nouveau le ballet de Monte Carlo avec deux pièces sur une soirée, Noces. Les deux pièces seront chorégraphiées par Jean-Christophe Maillot avec les ballets. Le premier, Noces, sur une musique d'Igor Stravinsky, c'est l'un des spectacles qu'il a créé dans l'hommage au ballet russe. Et Opus 40, où là c'est une partition plus contemporaine à la musique, puisque c'est Meredith Monk avec sa voix un peu rocailleuse qui va mêler une odyssée un petit peu intimiste sur le passage de l'enfance à l'âge adulte. On est ravis de retrouver le ballet avec 25 danseurs au plateau. Ce sera à la cuisine. Et toujours à la cuisine, on va enchaîner avec un solo. C'est cette actrice Dominique Blanc, cette grande actrice de plateau, qui va reprendre La douleur de Marguerite Duras dans une mise en scène qui est redirigée par un jeune homme, mais qui est la mise en scène que Patrice Chéreau avait faite de ce texte, avec déjà Dominique Blanc. Donc c'est un compagnonnage de longue date, même si Patrice n'est plus là. C'est ça qui est extraordinaire au théâtre, c'est comme dans les chorégraphies, on peut reprendre des chorégraphies des années plus tard. La douleur, ça parle des bras qui, quand ils nous serrent, nous consolent. C'est l'histoire qu'a écrite Marguerite Duras, de son journal intime pendant la guerre, où elle était mariée, elle attendait le retour de son mari qui a fini par revenir, mais c'est tous les sentiments qu'elle a traversés pour arriver à rester debout, l'attente, la peur de perdre l'autre, et puis l'autre revient, et peut-être que ça n'est pas à la hauteur de l'attente qu'on avait. C'est une histoire de cœur et c'est un spectacle très très touchant. On revient au Franciscain avec Normalito, un spectacle écrit et mis en scène par Pauline Salle. C'est un des spectacles jeunes publics de la saison. Alors c'est Lucas qui est en CM2 et puis sa prof lui demande d'inventer un super-héros. Et puis Lucas, il se sent tellement normal qu'il en a marre des super-héros. Il voudrait inventer un super-héros qui rend tous les gens normaux. Et puis il croise à côté de lui sa petite voisine qui, elle est surdouée, elle a un syndrome... un peu particulier, et donc elle est très particulière et elle aimerait bien être normale. Et donc ils vont échanger leur vie, c'est-à-dire que lui va aller vivre chez les parents de sa petite voisine et elle va aller vivre chez les parents de Lucas. Et puis ils vont se rendre compte qu'ils ont envie de partir ensemble, ils vont fuguer et ils vont rencontrer un personnage un peu décalé. Et c'est cette rencontre de deux enfants avec un adulte qui a suivi lui aussi une route un petit peu en marge. C'est un très bel... Voilà, c'est un très beau moment à partager avec les enfants. Ça parle aux grands comme aux petits et c'est joué par trois comédiens formidables. Et on finit cette saison avec Don Juan de Molière. On finit avec Le Patron. On l'a commencé avec Molière, on va finir avec Molière. C'est une mise en scène, c'est un spectacle de la Comédie Française avec notamment Laurent Lafitte qui joue Don Juan et Stéphane Varupen. Mais il y a une habitude à la Comédie Française, on ne dit pas les noms des acteurs parce qu'ils peuvent changer. Parce qu'au fond, le plus important, c'est d'avoir une troupe au lieu d'avoir d'abord simplement des grandes personnalités. Ce spectacle, il est mis en scène par Emmanuel Domas. Ce qui me plaît, c'est que Emmanuel Domas est un metteur en scène assez jeune et qui a cette capacité de s'emparer des textes classiques, pas du tout en les modernisant, mais en les mettant un peu à nu. Et là, ce Don Juan, il est sur un plateau, sur des tréteaux, mais il n'y a quasiment pas de décor, mais il y a les acteurs qui jouent entre eux. Et ça donne un accès plus vivant, assez rock'n'roll à la pièce. Et je pense que ça permettra à beaucoup de nos jeunes de rentrer dans le théâtre et de ne plus vouloir jamais en sortir. On finit donc la saison comme ça. Et on va passer maintenant aux manifestations annexes qui n'ont rien
petite annexe. Non, parce que c'est rien notre du tout, puisqu'on passe toute notre journée à travailler dessus. Peut-être qu'avant, je voudrais faire venir nos deux jeunes comédiens qui viennent de nous rejoindre. Donc maintenant, la troupe grandit, vous voyez. On a Bénédicte Allard et Alexandre Diocheu. Voilà. Ils ont les costumes, ça y est, voilà. Voilà. Et vous les verrez cet été, puisqu'ils démarrent déjà les répétitions avec nous. Vous les verrez cet été dans l'épreuve de Marivaux que je mets en scène avec eux au château. On va le développer. Bienvenue chez nous. Et la prochaine fois, c'est eux qui chanteront. Vous savez que si on est habillé avec des costumes de marins, c'est parce que les premiers machinistes au théâtre étaient des marins. C'est pour ça qu'on a hérité de toute la superstition des marins. Non, parce que d'aucuns pourraient penser que nous sommes une équipe de rugby, mais pas du tout. Alors, on va vous parler un petit peu de notre programmation, des rendez-vous de l'année. Avec Muriel, on continue. Muriel va vous raconter tout ce qu'elle fait autour et tout ce qu'on imagine. On continue et on ouvre un petit peu plus l'école à voix haute dont Frédéric est le maître. On ouvre aux collégiens. On fera un cours le matin pour les 8-11 ans, qui ira jusqu'au CM2. Donc, 11 ans, des fois, c'est le CM2 ou c'est la 6e. Et on recommencera l'après-midi un autre cours pour les 11-14 ans, 6e, 4e, et des stages pendant les vacances parce que ça a bien fonctionné et que les enfants étaient contents de venir jouer sur nos plateaux, participer à créer un petit spectacle pendant les vacances, toutes les vacances d'ailleurs, sauf les vacances de Noël. On continue avec les conversations intimes, nos rendez-vous mensuels, le deuxième lundi de chaque mois avec Catherine Sellac au plateau et un invité, un artiste qui vient converser avec elle et donc avec vous pour découvrir un petit peu différemment les artistes. On continue, on va initier sûrement, et on vous en informera un petit peu plus en septembre, des cours de clown avec Philippe Martz, qui fait petit boulot pour vieux clown, des cours de clown pour amateurs. C'était beau, voilà. C'est magnifique. On va essayer, hein, mais la saison suivante. J'ai fait du burlesque, moi aussi. Et puis, Muriel va vous détailler un petit peu les cabarets, le comité de lecture, tout ce qu'on fait autour de la saison. Voilà, donc on continue les cabarets. C'est Jonathan Jensburger qui est le responsable. Donc, si vous avez des plaintes, c'est pour Jonathan Jensburger. C'est lui qui nous a fait si admirablement le cabaret d'ouverture de la salle des franciscains et qui nous enchante avec les acteurs. Il arrive à faire chanter tout le monde avec François Barouco. François, notre merveilleux pianiste. Et donc, il proposera des cabarets soit aux franciscains, soit à la cuisine, à peu près une fois par mois. On continuera avec... Alors, on a un comité de lecture, je vous le dis, parce qu'on a eu du mal à le mettre en route, et puis ça y est, parce qu'avec les fermetures successives, c'était compliqué. La saison dernière, on a lu pendant une semaine, dans le cadre des Contes d'Apéro, les meilleures pièces de ce comité de lecture. On va le refaire à partir du 8 août. On lit 5 pièces de théâtre et on s'engagera. On avait quand même l'année dernière 7 minutes, notamment, de Stefano Massini. On va donc lire ça et ce comité de lecture sera dirigé par Bénédicte Allard qui vient de rejoindre la troupe que vous avez vue et que vous reverrez dans son spectacle Frida Kahlo, merveilleux spectacle qu'elle a écrit et réalisé quasiment toute seule, avec une équipe mais quasiment toute seule. On va continuer les contes d'apéro, donc là à partir du 1er juillet. On va un tout petit peu simplifier parce qu'on a beaucoup œuvré cette année et avec les différents déménagements. On va faire à 19h30, pour pas qu'on ait le soleil dans l'œil, un acteur, un auteur. Et ça tous les soirs jusqu'au 14 août. Et je monte l'épreuve de Marivaux. On continue dans la saga Marivaux. Je monte un Marivaux, l'épreuve, qui est la deuxième pièce de Marivaux la plus jouée au monde. Au château, et après on part dans une grande tournée dans la vallée, on va retourner à Beaulieu, à Aspremont, mais on va aller à Cagnes-sur-Mer, on grandit un petit peu notre tournée jusqu'à la fin du mois d'août, début septembre.
qu'est-ce que j'ai oublié ? On va faire un nouveau rendez-vous qui s'appellera un peu beaucoup passionnément, une fois, un lundi par mois, qui sera animé par Denis Carreau, qui est le rédacteur en chef de Nice Matin, où on invitera une grande personnalité, pas forcément du monde politique, une grande personnalité, pour essayer d'aller dans sa table de chevet et de comprendre qu'est-ce qui l'a construite, quelles sont les lectures qui ont été importantes, les musiques qui traînent dans sa tête, etc. Et on lui lira les lectures qu'il nous propose. On a le procès des grands personnages qu'on continue, et c'est Alexandre Diotcheou qui sera responsable de nos procès avec nos amis avocats. C'est le samedi. C'est le samedi matin. On a changé, c'est plus le dimanche. C'est le samedi matin, mais à 11h au kiosque. On va continuer, Ella l'a dit, les conversations intimes. Et on va proposer quelques rendez-vous des métiers pour les jeunes, pour expliquer tous les métiers du théâtre. Parce que ce sont des métiers qu'on ne connaît pas bien. Qu'est-ce que fait un régisseur son ? Là, on a un génial régisseur son, un génial régisseur lumière. Qu'est-ce que fait un directeur technique ? Qu'est-ce que fait un tapissier, un scénographe, etc., etc. Et on fera des capsules qu'on pourra laisser comme support dans le milieu scolaire. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Ella ? Je ne crois pas. Non. Les cours d'oralité, qui auront lieu une fois par mois, qui seront animés essentiellement par Augustin Bouchacourt ou de temps en temps par mois. Et Augustin est en train de réfléchir à faire éventuellement aussi des soirées d'improvisation, parce qu'il y aura régulièrement à la cuisine. Il faut vous dire que le restaurant qui s'appelle L'Emporte-Pièce est tenu par deux jeunes absolument adorables qui se lancent. Donc ils vont aussi avoir besoin de nous, donc de vous. Ils vont proposer le restaurant tous les jours, le midi, le matin et le midi. Et de temps en temps, ils font des soirées exceptionnelles, et notamment des soirées d'improvisation qui seront organisées par Augustin avec des invités surprises. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Moi, juste vous dire que nous ouvrons donc les abonnements demain matin à 10h sur le site, mais aussi sur place. Que le 1er septembre, on ouvrira la billetterie à l'unité pour ceux qui ne souhaitent pas s'abonner. C'est dommage, mais on vous laisse une possibilité. On aura des nouveaux horaires à partir du 1er septembre. La billetterie est donc basée ici au Franciscain, enfin à l'Aigle d'Or plus exactement, juste à côté. Et nous serons ouverts à partir de septembre du lundi au vendredi, 14h-18h. Nous n'ouvrirons plus le samedi, sauf quand il y a des représentations. J'ai oublié une chose majeure, c'est la surprise. Alors vraiment, voilà. On va proposer à Nice, à l'occasion de l'ouverture d'Iconique en janvier, un grand festival de magie. Il y a eu un festival de magie qui avait lieu, et notamment, mais beaucoup dans l'entre-soi, à la Colombe d'Or, il y a quelques années. Et ça fait un moment que ça s'était perdu. Et donc, on va vraiment faire un festival qui va se déployer dans plusieurs salles et qui aura volonté de grandir au fur et à mesure des années. Donc, on va inscrire aussi au milieu de la danse, du théâtre, de la musique, la magie. Avant de conclure, plantons un arbre dans la ville. Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile. Comme un arbre dans la ville, dans la ville, et des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles, comme un arbre dans la ville.
entre béton et bitume. Pour pousser, je me débats, mais mes branches volent bas. Si près des autos qui fument, entre béton et bitume. Comme un arbre dans la ville, j'ai la fumée des usines. Pour prison et mes racines, on les recouvre de grilles. Comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville. Celui-là j'ai déjà dit mais je le répète. J'ai des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles. Comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, on m'arrachera des rues pour bâtir où j'ai vécu. Des parkings d'honneur posthumes, entre béton et bitume. Comme un arbre dans la ville, ami fait après ma mort, barricade de mon corps et du feu de mes brindilles. Comme un arbre dans la ville. Restez avec les professeurs et notamment avec Ève Perreur qui est responsable des projets pédagogiques et Frédéric de Goldfiem qui est responsable de notre école à voix haute. Je voudrais finir avec un autre dicton, un autre proverbe africain qui dit « Le monde aura beau changer, les chats ne pondront jamais ». Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on ne changera jamais. On passera toute notre journée, toute notre vie à essayer de partager notre passion et à vous proposer les spectacles qui nous ont enchantés. Merci de votre confiance et je voudrais, avant que ceux qui veulent aller déjà boire un verre... Oui, mais ça donne envie. Laissez le dernier mot avant qu'on ne passe au projet pédagogique à la troupe qui finalement vous parlera peut-être beaucoup mieux que moi et Ella de la programmation. Éblouissant et novateur. Percutant, brillant. Flamboyant, transperçant. Joyeux et surprenant. Dodu. Allez-y, quoi.